À toi de jouer. Ça commence bien. Bon, allez, fondez-vous dans la masse. Tout le monde en position. Le sport, c'est une de mes passions. Bonsoir. Je fais du gainage tous les matins. 10 séries de 30 secondes avec une pause de 10 secondes entre chaque. Et j'enchaîne avec des ponts. Je vous prie de m'excuser. Pardon. C'est bon, je l'ai. C'est pas trop tôt. Il y en a au moins une qui fait son boulot. Je me suis trompée. C'est une carte de bibliothèque. Tu savais que son deuxième prénom, c'est Joseph? Je vous disais donc que j'enchaînais avec une petite série de 50 points. Je peux pas, je me suis forme. Je peux vous aider, jeune demoiselle? Ouais, et pas qu'un peu. Vous savez que c'est extrêmement grossier d'ignorer quelqu'un qui veut vous parler, surtout quand ce quelqu'un vaut beaucoup plus que vous. C'est génial, tu trouves pas? Les étoiles, le feu de camp tout chaud, la camaraderie. T'as sûrement un petit creux, je nous ai fait des brochettes aux légumes. Je vais faire un tour. Fais très attention de pas te perdre. Cette meuf est trop chelou. Vous pourriez quand même faire un effort pour l'inclure au groupe. Hé, hey, j'ai fait un feu de bienvenue, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle aurait jamais dû aller dans la forêt. Elle pourrait tomber entre les griffes de... La sorcière des bois! La sorcière des bois! Ouh, la sorcière des bois, ouh! Maman, j'ai peur! Oh, ça n'a rien d'une histoire. Si personne n'en a jamais entendu parler, c'est parce que personne n'a survécu pour pouvoir la raconter. Une histoire de tragédie et de... Qu'est-ce que tu fiches? Tu te fais attendre avant de te battre. Alors là, c'est pas ma faute. J'y suis pour rien si certaines personnes se croient meilleures que d'autres. Tout roule. Fumblebee à Catwoman. J'y suis prête. Voilà, génial. J'ai été ravie. Malheureusement, je vais devoir... Attendez, votre prénom? Vous savez que c'est Lex. Et quel est le synonyme d'arraché? Coupé? Non, quand on... Oh, mais ça va pas. Je suis sincèrement désolée, j'ai quelques petits problèmes de vue ce soir, on dirait. Il est écrit que c'est une carte platinum alors qu'elle semble être fabriquée en plastique. Oh, bon, allez, recommence. Réfléchissez à une feuille de papier, par exemple. Vous la déchirez. Déchiquetez. Je vous débarrasse. Tout va bien? Ouais, ça va, j'ai fait un petit cauchemar, rien de méchant. Ouh, j'ai lu dans le guide Batman de psychanalyse criminelle que les cauchemars sont les manifestations de nos peurs et de nos insécurités les plus profondes que notre inconscient nous force à regarder en face. Et que ces émotions réelles qui sont liées à notre vie éveillée nous disent des choses sur nous que notre inconscient ne peut pas gérer. À moins que j'ai rêvé. Oh, j'ai horreur des cauchemars. Je ne supporte pas les cauchemars. Ouais, je trouve ça affreux. Quoi? Depuis quand vous craignez autant les mauvais rêves? Tu vas nous dire que toi, t'en fais jamais peut-être. Je ne ressens ni la peur ni la moindre insécurité, consciente ou inconsciente. Et je ne vois pas du tout pourquoi vous auriez peur. Vous êtes bien trop fabuleuse pour ces chichis. On peut changer de sujet, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Karen. Personne fera de cauchemar pendant cette soirée pyjama parce qu'on va faire la teuf toute la nuit. Notre vie, c'est ça, et aïe, aïe, aïe. Trop sympa.
Comment t'appelles un truc dans lequel on met d'autres trucs? Une poche? Nous, on dit un sac. Tu dis un crayon à papier ou deux papiers? Deux papiers. Nous, crayons à papier. Et comment t'appelles les bestioles qui s'éclairent? Des lucioles? Oui, voilà. Nous aussi, à Métropolis, on dit lucioles. Alors, c'est bon? Fini? Délicieux.